Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te chantons. Seigneur, nous te chantons. De tout cœur te louons. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni celui qui vient. Béni celui qui vient. Dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur. Glorifions le Dieu trois fois saint. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te chantons. Seigneur, nous te chantons. De tout cœur te louons. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur. Frère Marc Samuel, bonjour. Jeudi, dimanche, 2 avril 2023. Liturgie l'Église là, get amène nous dans dimanche des rameaux. Un dimanche spécial dans liturgie l'Église là. Nous comptons entrer la caillou avec Radio Télé Solidarité avec Apostolat Haïtien hein, pour nous venir partager avec vous quelques petits causés sous liturgie, sous dimanche jeudi. Dimanche ça, dimanche des rameaux, c'est un dimanche tout le monde songe. Côté Jésus entré Jérusalem avec tout peuple là qui acclamé lui, qui portait branche rameau, branche bois, qui mettait drap sur route là qui acclamé lui comme le roi, le Messie, à la chance pour yo, à la chance pour nous. Compliment pour cela qui vini dans nos grands maîtres là. Mais dimanche ça, dimanche rameau, l'hypothèse de non. Lire le dimanche rameau, dimanche des rameaux, lire le tout dimanche la passion, dimanche souffrance. Même peuple ça qui a acclamé Jésus, qui dit bravo pour cela qui a vini, hein? C'est même peuple ça tout un moment après qui pral dit crucifiez-le, touyez-le. Dimanche rameau, c'est premier jour semaine sainte la grosse semaine qui portait délivrance pour toute l'humanité.
lecture la Bible dans liturgie la messe jeudi, concentrer attention nous sur événement terrible qui plein avec mystère là dans les qui pral mener mission Jésus dans dernier bout li. Dans lecture nous joignons prophète Isaïe dans chapitre 50 verset 4 et verset 7 ça nous relait chanter serviteur grand maître là la prière serviteur grand maître là et puis somme 22 qui est important tout qui fait nous songer comment Jésus c'est serviteur bon Dieu Philippiens Paul écrit lettre ça dans Philippe pour chrétien dans ville Philippio côté libéral présenté yo mission Jésus à rôle Jésus qui était dans bon Dieu qui était égal à bon Dieu qui pas considéré rang égal à bon Dieu li a tant qu'un privilège mais qui descend sur la terre qui vient faire yon avec nous en toute bagaille sauf dans péché et puis qui accepte humilier li pour les mourir sous la croix pour être ça bon Dieu level li exalté et puis tout genou a fléchi devant pour yo dire mais Jésus ça bon Dieu level mettez en l'air et puis nan, évidemment ça qui est important nan jodi a c'est parole Saint Matthieu à côté Saint Matthieu raconte patience ak souffrance Jésus-Christ lecture la Bible pour liturgie à Noël yo concentrer attention nous sur Jésus sur mystère Jésus a le monde rejeté Jésus yo torturé le tant qu'un criminel yo touyé et puis yo enterré mais dans toute situation ça yo li rete bien décidé à toute dignité li campé bien ferme parce que li mette toute confiance li nan papa li li te assuré li papa pas jamais abandonné en rien pas ka détourner li nan route li nan objectif li yo pou le rete fidèle nan mission bon Dieu papa te bali nan dimanche Pâques c'est gros surprise ki pral vini oui van viré bâton an changé bon histoire pral pran yon l'autre route ça qui te paraît sombre tan kou yon défaite vin clairé ak lumière sans attendre pour annoncer la victoire Jésus levé vivant sorti parmi mort yo yon résurrection qui pote gloire ak puissance pour récompenser Jésus d'après l'itérité fidèle dans travail papa à la yon leçon obéissance joigne récompense bon Dieu papa retire Jésus en balan mort Jésus te bay koli accent li volontairement pour li te obéi papa li comme ça li vin tourner ti mouton sacrifice là mais tout c'est lui-même qui grand-mère qui grand prêtre là oui qui réalisait réconciliation moun sous terre ak papa grâce à lui toute l'humanité vinn gen bon relation ak bon Dieu li te vle petit li a montré toute race Adam qui était tombé dans péché ak désobéissance c'est yon la foi ferme et inébranlable dans li kap servi chemin pour mener dans la vie tout neuf qui pa jam fini pour faire nous réconcilier avec bon Dieu papa ça veut dire frère Maxime quelle que soit difficulté yo la foi dans remè bon Dieu ya c'est chemin délivrance là et ben on nous quitte Jésus inspirez nous on nous vire do bay le monde ak tout chemin yo kap mené nous dans confusion ak désobéissance on nous prend modèle sous Jésus on nous adopte façon li agi yo et comme ça bon Dieu papa a levé nous ensemble avec Jésus pour yon la vie justice ak remen qui dépasse toute mesure nous ta capable imaginer dans semaine sainte ça profiter à lever confession en nous profiter à lever confession en nous faire tout possible pour nous prendre la sainte communion pour dimanche Pâques là dimanche Pâques qui va venir en une semaine
pour nous démontrer la foi nous à remet nous gagner au bon Dieu. Kounyea l'est arrivé pour nous sortir dans route confusion, dans route désobéissance, dans route péché. En nous entrer dans route faveur, dans route la grâce bon Dieu. En nous sortir dans la mort pour nous entrer dans la vie avec Jésus. Va en virer bâton en changer bout. Nous souhaitons nous passer une bonne semaine sainte qui portait la vie tout neuf pour nous. Avec grâce, bon Dieu, avec bénédiction, bon Dieu, qui pourrait être la caille nous dans toute famille nous. Au revoir. Brothers and sisters, good morning. Today is Palm Sunday. How beautiful is Palm Sunday? Jesus is acclaimed in Jerusalem by the crowd. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. But let us see at the same time, the same crowd that acclaims Jesus entering Jerusalem would be the people condemning him, asking death for him. This Sunday, Palm Sunday, bears two names. It's called Palm Sunday and Passion Sunday. It intertwines glory and sufferings. It is the first day of this holy week, the great week that brings salvation to all humanity. And the Bible readings for this Sunday's liturgy narrate meticulously all the mysterious, horrifying, and exalting events that brought this mission of Jesus to its climax. The world rejected Jesus. They tortured him as a criminal. They killed him and buried him. But through it all, he remains strikingly dignified and resolute. He stands tall as one who puts all his trust in the Father and who will not waver from his course. He held the blessed assurance that his Father will never abandon him. Indeed, nothing could distract him from his way and his goal to be obedient to the Father. On Easter Sunday comes the big surprise. The story takes an astonishing twist, and history takes another path. What appeared to have been his defeat suddenly shines forth as his victory. When Jesus rose from the dead, a resurrection that brings glory and power as a reward to his faithfulness to the Father, what a lesson we learn. Obedience to the Father pays off. God the Father delivered Jesus, his Son, from the power of death. Jesus willingly gave his body and blood in obedience to his Father. He thus became the sacrificial lamb of Easter. But he is, at the same time, the high priest who achieves the reconciliation of all humanity with his Father. Thanks to Jesus, all mankind has been reestablished in a new relationship with God. His Son has shown Adam's children who fell into sin and disobedience that only a firm and unshakable faith in the Father can pave the way to eternal life. So my brother, my sister, no matter the trouble in life, the difficulties, the all kinds of distress we can face in life, faith in God's love is the way to salvation. So inspired by Jesus, let us turn away from the world
and all its ways that lead into confusion and disobedience. Let us model ourselves on Jesus and adopt his ways. As for him, God the Father will rise us for a life of justice, righteousness, and love that exceeds all measures. So let us take advantage of this Holy Week to go to confession, to make every possible effort to receive the Holy Communion for the upcoming Easter Sunday, to demonstrate our faith, your faith, our love, your love for God and for your brothers and sisters too. Now is the time to turn away from sin to grace, from death to life. This is the opportunity given us by the Lord. History takes a new turn for you and for me and for all humanity. We have a new way. We have a new life. Jesus has changed the paradigm. After death, life is there. Death can open the way to a new life for all of us. Thanks to Jesus. Thanks to Easter. This is what this week announces to us from Palm Passion Sunday, moving on the last steps towards Easter. Have a blessed Holy Week and take advantage of it to renew your commitment, to renew your faith to God, and to renew your hope to God. Let us move towards Easter together. God bless you. May his peace abound in your family and in you. Goodbye. I leave you in God's love. Mes frères, mes sœurs, bonjour. Nous sommes déjà au dimanche des Rameaux, 2 avril 2023. Nous sommes très heureux de rentrer chez vous avec la radio-télé Solidarité de l'apostolat haïtien pour partager avec vous la parole de Dieu en ce dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux rappelle bien des souvenirs aux pratiquants catholiques. On lit volontiers dans la Bible comment Jésus est entré à Jérusalem pour la dernière fois avec les foules qui l'acclamaient sur le parcours, cassant et jetant des branches sur la route, l'acclamant comme celui qui vient au nom du Seigneur, le Messie, l'envoyé de Dieu. Mais le revers de la médaille va aussi apparaître tout de suite. Cette même foule qui l'acclamait et qui voyait en lui le Saint de Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient, ainsi l'acclamait-il. Cette même foule va dire, désormais, nous ne voulons plus de lui. Mettez-le à mort. Ce dimanche des Rameaux porte deux noms. On l'appelle dimanche des Rameaux et de la Passion. Il combine la gloire de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem et les souffrances de la Passion conduisant à la mort du Sauveur sur la croix. C'est le premier jour de la Semaine Sainte, la grande semaine dont la dominante est la maîtrise de Dieu sur les assauts du mal. La lecture biblique pour la liturgie de ce dimanche des Rameaux et de la Passion attire notre attention sur l'événement terrible, plein de mystères, qui met fin à la mission terrestre de Jésus, mais qui fait entrer l'humanité dans une nouvelle alliance avec Dieu grâce à Jésus, mort sur la croix, mais ressuscité par Dieu lui-même. Le monde avait rejeté Jésus. Ils l'ont entouré, ils l'ont torturé comme un criminel. Ils l'ont mis à mort et ils l'ont déposé au tombeau. Dans toutes ces situations, Jésus
reste bien déterminé, gardant toute sa dignité. Rien ne pouvait le distraire de sa voie et de son but. Il met toute sa confiance en Dieu, son Père, avec l'assurance que celui-ci ne l'abandonnera jamais. Le dimanche de Pâques, effectivement, amène la grande surprise. Le vent aura changé de direction et l'histoire aura pris un autre chemin. Et soudain, ce qui paraissait sombre comme une défaite va briller pour annoncer la victoire. Le Christ est ressuscité des morts. Une résurrection qui apporte gloire et puissance en récompense à Jésus pour sa fidélité à l'œuvre du Père. Quelle leçon! L'obéissance est récompensée. Dieu le Père a délivré son Fils de la mort. Jésus a volontairement donné son corps et son sang pour obéir à son Père. Ainsi, il est devenu l'agneau sacrificiel. Maintenant, il est aussi le souverain sacrificateur qui réalise la réconciliation des hommes avec le Père. Grâce à Jésus, toute l'humanité entre dans une nouvelle relation avec Dieu. Il voulait, ce Dieu, que son Fils montre à toute la race d'Adam tombée dans le péché et la désobéissance. Il voulait montrer à toute cette race qu'une foi ferme et inébranlable devait servir de chemin vers la vie éternelle. Peu importe donc les difficultés ou les vicissitudes de la vie terrestre, mon frère ou ma sœur, la foi en l'amour de Dieu est le chemin vers le salut. Laissons donc Jésus nous inspirer. Détournons-nous du monde et de toutes ces voies qui nous conduisent à la confusion, à la désobéissance. Prenons exemple, prenons modèle sur Jésus. Adoptons ses manières. Ainsi, Dieu le Père nous ressuscitera avec Jésus pour une vie de justice et d'amour qui dépasse toutes les mesures que nous pourrions imaginer. En cette semaine sainte, profitons donc pour faire le plein de pardon dans le sacrement de la confession. Laissons Dieu nous renouveler et accourons vers la communion, la sainte communion de Pâques, afin de démontrer notre foi et notre amour pour lui. Mon frère, ma sœur, il est venu le temps de passer du péché à la grâce, de la mort à la vie. C'est pour cela que je vous souhaite une semaine sainte fructueuse qui nous conduise ensemble vers Pâques pour la vie nouvelle. Jésus a changé pour nous le paradigme. Ce n'est plus la mort et la fin. C'est désormais, au-delà de la mort, la vie sans fin. Au revoir. Bon dimanche et bonne semaine sainte. Que Dieu vous garde, qu'il garde votre famille sous sa protection.
sens kap koule yo Fok nou chante Nan bel la rivye A tout bel poisson Se bon Dieu kouye